Je partage. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de performance d'un système à service. Alors, les performances d'un système à service sont principalement la rapidité, la stabilité et la précision. Déjà, on a commencé avec la rapidité, la séance passée, lorsqu'on a parlé de l'identification donc temporelle d'un système du premier et du second ordre. Alors, la rapidité, donc s'il s'agit bien d'un système de premier ordre, donc qui a la fonction de transfert de la forme K sur 1 plus tau P, donc on s'est mis d'accord en fait que le temps de réponse à 5% c'est égal à 3 tau, et ça c'est ce paramètre en fait qui caractérise la rapidité. C'est le temps de réponse à 5%. Alors, comment déterminer graphiquement le temps de réponse à 5% si je vous donne la réponse indicielle? C'est très simple. Vous prenez 95% de Y à l'infini, vous projetez ça sur la courbe et vous tirez le temps de réponse à 5%. Voilà. Ça, c'est pour un système de premier ordre. Dire si le système est rapide ou non, ça dépend des exigences imposées par le cahier de charge. Alors. Maintenant, si je vais parler de la rapidité pour un système second ordre, dans le cas où m est supérieur ou égal à 1, si je prends m supérieur ou égal à 1, donc je fais de la même manière, donc je prends 95 de y à l'infini, 95% de y à l'infini, l'intersection avec la réponse, donc permet de déterminer le temps de réponse à 5%. Si vous remarquez ici, la réponse la plus rapide sans avoir de dépassement, c'est pour m égale à 1. Donc, il faut bien noter ça. Pour avoir un système second ordre, donc, qui présente donc une rapidité, donc, la meilleure rapidité, il faut prendre m égale à 1. Alors. Donc, pour un système de second ordre, si m inférieur à 1, là je parle du régime pseudo-périodique, donc la réponse présente des oscillations et là vous tracez une bande de plus ou moins 5% et vous prenez l'instant à partir duquel la réponse rentre dans cette bande et ne sort plus. Par exemple ici, ça va être nécessairement ce point. D'accord? C'est à partir de là, donc je détermine le temps de réponse à 5%. Donc je fais comme ça, je projette et je peux déterminer ça. On est d'accord là-dessus? Donc voilà le temps de réponse à 5%. Alors aussi, on peut vous donner l'ABAC. Cet ABAC, vous pouvez l'utiliser, c'est qui représente en fait le temps de réponse réduit en fonction du coefficient d'amortissement. Donc, ça, c'est valable pour un système de second ordre. La réponse la plus rapide, ça se voit, c'est pour m égale 0,7. Donc, pour m égale à 0,7, le temps de réponse est égal à 3 sur oméga 0. Donc, pour m inférieur à 0,7, vous pouvez donc utiliser cette formule d'approximation qui permet de déterminer le temps de réponse à 5%, donc qui est égal à 3 sur m oméga 0. Et je vous ai montré comment on détermine ça. Donc, juste vous cherchez l'équation, ou bien, donc, en fait, l'équation de cette droite bleue. Alors, sinon, si vous avez, par exemple, m égale 0,1, c'est très simple, je prends 0,1, et je veux utiliser tout court la BAC, je projette ça ici. Et voilà, je projette ça ici. Je dis, voilà, ça, c'est 30. Donc, oméga 0. C'est 5% égale 30, et donc ici, c'est 5%, c'est égal combien?
est égal à 30 sur oméga 0. Dans ce cas, bien sûr, si je prends m égale 0,1. Bien. Alors, maintenant, si m est supérieur à 0,7, donc là, on a dit l'autre fois que le temps de réponse, on peut l'approximer par cette formule. TR5% c'est égal à 6m sur oméga 0. Et je vous ai montré en fait comment on détermine ça, la science passée. Donc là, donc en fait, c'est un ABAC valable pour un système de second ordre pour pouvoir déterminer le temps de réponse à 5%. Alors attention, il s'agit d'un ABAC dans un papier log-log. Donc il faut bien savoir lire ce papier parce qu'il y a deux échelles logarithmiques. Et donc, c'est donc important de maîtriser cet ABAC. Alors, aussi, je peux vous donner une autre formule pour m égale 1, parce que pour m égale 1, il s'agit de la réponse la plus rapide sans avoir de dépassement. Et là, donc, en fait, on peut approximer ce temps par 5 sur oméga 0, ou bien, en fait, à la limite, si je prends m égale à 1 et j'utilise cette formule, donc, toujours, ça reste très proche. Ça va être 6 sur oméga 0. Bon, voilà. Alors, je passe maintenant pour vous donner un complément du cours. Là, je vais parler de la FTBF et la FTBO. La FTBF, c'est quoi? La FTBF, c'est la fonction transfert en boucle fermée. Et la FTBO, c'est la fonction transfert en boucle ouverte. J'aurais dû en fait présenter ça avant, mais donc là, donc vraiment, j'ai besoin de ces deux notions. J'ai besoin de ces deux notions pour étudier la stabilité. Je vais vous expliquer ça après. Alors, comment déterminer la FTBF et comment déterminer la FTBO? Je vais prendre un exemple, un schéma bloc basique. Donc, si je veux déterminer la FTBF, donc il s'agit de déterminer Y de P sur X de P. Donc, la FTBF, réellement, c'est Y de P sur X de P. Si je prends ça, alors, la FTBF de P, c'est égal Y de P sur X de P. Et c'est un calcul basique, donc ça va être A de P sur 1 plus A de P, B de P. Maintenant, si je veux déterminer, ça c'est bon. Si je veux déterminer la FTBO. La FTBO, donc là, je me trouve, donc je parle d'une fonction transfert en boucle ouverte. Il faut passer ici au niveau de XMS et je vais ouvrir la boucle du retour. Et du coup, donc la FTBO, donc c'est égal XMS de P sur epsilon de P. Sur epsilon de P. Là, comme si. Je trouve là, x de p c'est égal à e epsilon de p, donc c'est ouvert, ça c'est epsilon de p, et je trouve a de p en cascade avec b de p. Et donc la FTBO ici, c'est égal tout court a de p, b de p. On est d'accord là-dessus? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On remarque vraiment une chose très intéressante. C'est quoi cette chose? C'est que là, vraiment, dans le dénominateur, il y a le A de P, B de P. Et dans ce cas, donc, on peut trouver la relation entre la FTBF de P et la FTBO. Donc, la FTBF, c'est égal A de P sur 1 plus FTBO de P. FTBO de P, et ça, c'est vraiment de grande importance. Ça permet d'étudier par la suite la stabilité avec l'approche graphique. Alors, une question qui se pose ici, basique, donc, déterminer le domaine de définition de la FTBF. Alors, quand est-ce que FTBF ici est défini? Donc, déterminer la fonction, quand est-ce que FTBF est défini? Ben, c'est très simple, vous allez me dire, il faut que 1 plus FTBO soit différent de 0. Et 1 plus FTBO, FTBO est un nombre complexe, il faut que le module soit différent de 1 et l'argument soit différent de moins 180. Donc là, donc, ces deux notions sont de grande importance qui vont nous aider après pour
étudier la stabilité. Donc voilà, ça c'est le premier compliment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je passe pour un autre compliment. Donc, dans ce compliment, j'ai parlé de la FTVF et la FTVO, deux notions très basiques. En se basant sur tout ce que nous avons vu avant, maintenant vous maîtrisez ça. La FTVF, c'est la fonction transfert en boucle fermée. La FTVO, c'est la fonction transfert en boucle ouverte. Voilà la FTVF, comment on la détermine. Donc, en fait, c'est très simple. Il s'agit d'une structure en boucle fermée. Pour chercher la FTVO, ça c'est nouveau. Donc, j'ouvre la boucle du retour. Donc, et je prends les deux fonctions transfert de la boucle, de la chaîne d'action directe et de la chaîne du retour. Je les mets en cascade et voilà, la fonction transfert en boucle ouverte, c'est le produit. Alors, donc, une relation de grande importance qui relie la FTBF à la FTBO. La FTBF, c'est égal à 2P sur 1 plus FTBO. Vous allez comprendre pourquoi ces deux paramètres sont de grande importance pour étudier la stabilité, donc, dans ce chapitre. Donc, autre chose qui est importante, donc là, c'est ce que j'ai déjà écrit. Alors, c'est le diagramme de Nyquist. Le diagramme de Nyquist, donc c'est Harry, plutôt c'est Harry Nyquist, donc né en 1889. Donc c'est Monsieur, c'est Edouard, voilà, c'est lui qui est à l'origine de ce diagramme. Alors le diagramme de Nyquist, c'est quoi? On connaît déjà le diagramme de Bode. Mais là, donc, en fait, je parle du diagramme de Nyquist. Donc, ce diagramme, c'est hors programme, mais c'est de grande importance pour comprendre la stabilité et éventuellement les corrections qu'on va présenter après. Les corrections des systèmes SL. Alors, pourquoi je parle de ce diagramme? Parce qu'en fait, c'est très simple de le comprendre. Vous n'êtes pas censé de le représenter. Donc, mais on peut se baser là-dessus pour interpréter quelques performances d'un système asservi et qui permet très rapidement de simplifier les choses. Alors, regardez comment on détermine le diagramme de Nyquist. Monsieur Nyquist, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris la fonction transfert. Il a dit, puisqu'il s'agit d'un nombre complexe, alors il y a une partie réelle et il y a une partie imaginaire. Pour lui, donc, en fait, c'est très simple. Il y a la partie réelle et on peut déterminer toujours la partie réelle. On multiplie par la partie conjuguée, ça marche. Et puis, il y a la partie imaginaire. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donc, c'est très simple. Moi, je vais représenter carrément la partie imaginaire en fonction de la partie réelle. Il a pris un plan complexe et il a essayé de représenter imaginaire. De H de G oméga, c'est pas la FTBO de G oméga, donc en fait, on va parler de ça. Donc, ça c'est H de G oméga, je vais corriger ça. Ça c'est, puisque je parle, principalement, après, je vais parler que de FTBO, mais pour le moment, puisque je présente la méthode, là, donc en fait, on parle de H tout court. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donc, en fait, je vais chercher la partie réelle et la partie imaginaire. Puis, je représente la partie imaginaire en fonction de la partie réelle. Ben, comment je vais faire? Donc, c'est très simple, puisque je connais déjà la partie réelle et je connais déjà la partie imaginaire. Donc, je vous explique. Par exemple, je prends un système de premier ordre. Donc, H de J oméga, H de P, c'est égal à K sur 1 plus tau P. Donc, pour lui, H de J oméga, c'est quoi? C'est égal à K sur 1 plus J tau oméga. Il faut chercher la partie réelle et la partie imaginaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par la partie conjuguée, donc moins J tau oméga. Et là, donc en fait, ça devient 1 plus tau carré oméga carré. D'accord? Et donc la partie réelle ici, c'est égal à K sur 1 plus tau carré oméga carré. Et la partie imaginaire, c'est égal, donc tau oméga sur K tau oméga sur 1 plus tau carré oméga carré. Donc, pour représenter ça,
Ça, c'est faisable, je peux trouver une relation, mais en fait, globalement, ce n'est pas toujours faisable. Donc, je prends ici oméga et je fais varier oméga et chaque fois, je cherche la partie réelle et la partie imaginaire et je fais varier oméga. Donc, je vais représenter point par point donc, ce diagramme. Donc, voilà, donc en fait, je vais effacer tout ça. Là, j'ai essayé d'expliquer ce que je viens de. Voilà. Tout ça, je vais. Là, donc, on va dresser, donc, comme je l'ai dit, un petit tableau. Là, il y a la partie imaginaire et la partie réelle. Et je vais varier oméga. Et puis, donc, en fait, je calcule. Je calcule avec ma calculatrice, avec un logiciel de tableur comme l'Excel. Tout ce que vous voulez, donc en fait, là, donc en fait, alors, voilà. Maintenant, je vais représenter point par point. Ça, c'est le point oméga 1. Ça, c'est le point oméga 2, ainsi de suite. Je représente tous les points et puis je relis tous ces points. Donc, là, c'est, si je prends, maintenant, la question que vous pouvez poser, ça c'est bien, on sait faire ça. Mais comment donc interpréter ça? Comment déterminer le gain? Parce que principalement, ce qui est important pour nous, c'est trouver le gain qu'on détermine avec le diagramme de Bode et le déphasage, quel que soit oméga. D'accord? Alors, si je prends oméga 2 maintenant, et je veux chercher le gain et le déphasage. Donc, vous voyez, bien sûr, moi j'ai représenté ça à l'échelle. Donc, ça c'est le point O et ça c'est A. Donc là, c'est le vecteur OA. Alors, si vous calculez la norme de OA, la norme de OA, c'est égal à la partie réelle. Donc là, c'est réel de H de J oméga 2. D'accord? Et ça, c'est la partie imaginaire de H de J oméga 2. Donc, si je calcule le gain, c'est quoi? C'est 20 log du module de H de J oméga. Mais le 20 log du module de H de J oméga, c'est 20 log de racine de la partie réelle. Donc, moi, je veux calculer ça pour oméga 2. Donc, c'est H de J oméga 2. Donc, c'est 20 log de racine de réel au carré de H de J oméga 2, plus la partie réelle imaginaire de H de J oméga 2. Et là, c'est ce module, c'est quoi? La racine carrée. Là, c'est le module de OA, n'est-ce pas? Et donc, il suffit de mesurer cette distance, d'accord, pour tirer très rapidement le gain. Le gain, donc, ici, c'est 20 log du module de OA, du module de vecteur OA. Maintenant, reste la question, comment je termine, monsieur, la phase pour oméga 2? Ah ben, la phase, c'est quoi? La phase, c'est l'argument de H de J oméga 2. Mais l'argument de H de J oméga 2, c'est quoi? L'argument de H de J oméga 2, c'est égal l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Vous voyez? Donc, c'est l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Et donc, le déphasage n'est autre que ça, cet angle. Ça, c'est l'angle phi de oméga 2. D'accord? Ben vraiment, c'est très simple et c'est très pratique de l'utiliser. Donc, il suffit d'avoir ce diagramme et vous êtes en mesure vraiment de l'exploiter pour déterminer le gain et le déphasage. Mais là, donc, pour nous, on va l'utiliser plutôt pour la stabilité graphique, et puis on va projeter tout ça sur le diagramme de Bode. Bien. Donc, c'est ça le diagramme de Nyquist. Si c'est pas clair, je répète. Alors, le diagramme de Nyquist, il permet de déterminer le gain et le déphasage, mais cette fois-ci en utilisant le plan complexe. C'est quoi donc cette approche? C'est quoi cette méthode? Donc, Monsieur Harry Nyquist, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc cherché la partie réelle et la partie imaginaire de sa fonction transfert, puis il a essayé de faire varier oméga, et pour chaque valeur de oméga, il va tirer la valeur de la partie réelle et la valeur de la partie imaginaire. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va représenter point par point. Et voilà, au bout du fil, donc il relie ces points et il a son
son diagramme. Donc là, comment déterminer le gain et le déphasage? Pour déterminer le gain pour une pulsation donnée, il suffit de prendre le vecteur OA. A, c'est le point qui correspond à la pulsation pour laquelle vous cherchez le gain. Et puis, donc, en fait, le gain, c'est 20 logs de cette distance, 20 logs du module d'OA. Et puis, pour chercher le déphasage, vraiment, c'est l'angle mesuré par rapport à l'axe des abscisses de ce vecteur. Donc, c'est le déphasage. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un complément. Qu'est-ce que j'ai donné maintenant? J'ai donné deux compléments. Un complément qui porte sur la FTBO. Voilà, comment déterminer la FTBO et la FTBF et quelle relation entre la FTBO et la FTBF. Et il y a le diagramme de Nyquist, comment déterminer ça. Voilà, donc on représente ça point par point et on est capable très rapidement de déterminer le gain et le déphasage. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si c'est bon, donc j'avance. Là, maintenant, je vais entamer donc la stabilité. La stabilité. Alors, c'est quoi un système instable? Un système instable, si après qu'une perturbation l'a écarté de sa position d'équilibre, il revient spontanément à cette position. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un système linéaire est stable si et seulement si la réponse impulsionnelle tend vers zéro lorsque le temps tend vers l'infini. Si on modélise, bien évidemment, une perturbation comme étant une impulsion de Dirac. Cela veut dire encore que tous les pôles de la FTBF, là il faut bien hein, savoir qu'on parle de la FTBF, ce n'est pas la FTBO, la FTBF sont à partie réelle strictement négative. Pourquoi? Pour que la réponse impulsionnelle soit une combinaison de parties exponentielles décroissantes. Alors je m'explique ici pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Alors pour mieux comprendre ça, c'est très simple. Donc si je prends par exemple Y de P, c'est égal donc K, par exemple, sur T facteur de T plus A1 facteur de P plus A2. Alors, là, si je décompose un élément simple, ça va être A sur P plus B sur P plus A1 plus C sur, pardon, T, alors, sur P plus A2. Alors là, si je veux trouver Y de T, ça va être A plus B exponentielle moins A1 T plus C exponentielle moins A2 T. Alors là, quand est-ce que, là j'ai pris comme si je vais enlever ce T, je vais parler de la réponse impulsionnelle. Donc, l'entrée, c'est 1. Donc, ça va être une chose comme ça. Alors, j'enlève le A. C'est pas méchant de toute manière. Même je garde A, c'est pas méchant. Alors, là, quand est-ce que Y de T, lorsque T tend vers l'infini, il faut que Y de T tend vers l'infini, tend vers 0. Quand est-ce que cela est vrai? Si et seulement si A1 positif et A2 positif. D'accord? A1 positif et A2 positif. Qu'est-ce que ça va donner? Si je prends calculer les pôles, P1 égale moins A1, donc c'est négatif, et P2 égale moins A2, si je vérifie cette condition, alors nécessairement c'est négatif. Alors c'est pour ça, on dit ici, basiquement, si j'ai la fonction transfert et je peux donc, déterminer facilement les pôles. Si ces pôles sont à partie réelle strictement négatifs, comme je viens de le montrer ici, donc le système est stable. Pourquoi? Parce qu'au bout du fil, la réponse va tendre vers zéro à l'infini. Et c'est ça, donc, ce qui justifie vraiment
ce que je viens de dire dans le premier point. Un système linéaire est dit stable si, après qu'une perturbation l'a écarté de sa position d'équilibre, il revient spontanément à cette position. Alors, maintenant, je vais vous expliquer encore ce que je viens de présenter ici. Je vous donne quelques réponses ici, quelques allures de réponse impulsionnelle. Ça, c'est une réponse impulsionnelle et j'ai pris la fonction transfert sous cette forme. Alors, FTDF, c'est égal à 1 plus 2P plus P carré. Si vous calculez, vous remarquez, si je cherche les pôles, 1 moins 2 plus 1, ça fait 0. Donc, P1 égale moins 1 et P2. A priori, c'est un pôle double ici, égale moins 1 aussi. Ça, c'est un pôle double, donc c'est moins 1. Donc, c'est un pôle double à partir du réel négatif, ça se voit. Et vous voyez ici la réponse impulsionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la réponse impulsionnelle? La réponse impulsionnelle, c'est-à-dire, je prends mon système et j'applique une impulsion, l'impulsion de Dirac. D'accord? L'impulsion de Dirac, la transformée de Laplace de l'impulsion de Dirac, c'est égal à 1. D'accord? Donc, en quelque sorte, Y ici de P, ça va être, si c'est ça, FTBF de P, donc Y de P, ça va être FTBF de P fois 1, donc c'est égal à FTBF de P tout court. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Au bout de 8 secondes ou 7 secondes, la réponse donc rejoint 0. Et voilà, c'est vrai, il y a une impulsion qui va l'écarter de sa position d'équilibre. Et puis, elle revient spontanément. Là, elle va décoller, elle va partir à 0,35 et elle revient spontanément à 0. Donc, mon système ici, il est vraiment stable. Et là, j'ai représenté les pôles dans le plan complexe. D'accord? Maintenant, je peux vous donner un autre exemple. Là, j'ai changé de fonction transfert. Mais j'ai deux pôles complexes, delta prime ici ou bien delta est négatif, et donc deux pôles complexes à partie réelle négative, toujours à partie réelle négative, ça c'est la partie réelle, à partie réelle négative. Donc là, c'est une stabilité asymptotique oscillatoire, il y a des oscillations, mais toujours on converge vers zéro, et donc le système, vraiment, il est stable. Là, vous n'êtes pas vraiment censé de rentrer beaucoup dans les détails. Mais l'information qu'il faut retenir ici, c'est très simple. Si je calcule les pôles et je trouve que ce sont des pôles à partie réelle négative, alors le système est stable. Donc, c'est ça la conclusion qu'on peut tirer. Mais là, donc, en fait, j'essaie de mettre l'accent dessus davantage. Là, maintenant, je vous donne un exemple qui n'est pas stable. Alors là, j'ai pris cette fonction transfert. J'ai essayé de représenter la réponse impulsionnelle. Si j'applique impulsion de Dirac, vous voyez donc en fait la réponse va vers l'infini. Ça, c'est l'axe du temps. J'ai pris que 10 secondes. Si j'augmente le temps, vous allez voir que ça va tendre vers l'infini. Donc, celle-là va tendre vers l'infini. Donc, en fait. Et là, donc en fait, ça se voit que mon système est instable. Parce que si je vais l'exciter par une impulsion de Dirac ou bien une perturbation qui va l'écarter de sa position d'équilibre, alors mon système, il ne va pas revenir à la position initiale. D'accord? Bien. Maintenant, je peux vous donner un autre exemple. Là, j'ai pris un pôle double à partie réelle positif. À partie réelle positif, un pôle double. Vous voyez vraiment, ça tend vers 220 000 et encore, au bout de 10 secondes, si j'augmente le temps, donc en fait, ça se voit qu'il est instable. Donc là, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion? Je cherche la FTBF. Si j'ai la possibilité d'analyser les pôles, si la FTBF présente des pôles qui sont à partie réelle strictement négative, alors ce système est stable. Bon, ça, c'est une analyse directe de la fonction transfert en boucle fermée. Mais il y a aussi des approches
des approches qui sont très utiles et qu'on vous pose souvent des questions dessus, c'est la méthode algébrique, la méthode de Routh. La méthode de Raoult, la méthode de Routh, donc en fait, c'est la méthode de Raoult. Alors, cette stabilité donc, est basée sur des calculs mathématiques. Je ne vais pas vraiment le présenter. Maintenant, en fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Je vais présenter tout court la méthode, mais je peux vous montrer un document qui explique bien la méthode de Raoult. Alors, il y a beaucoup de calculs mathématiques derrière. Il y a donc en fait beaucoup de calculs mathématiques derrière. Démonstration du critère de Raoult à l'aide des suites de Sturm. Des suites de Sturm et l'indice de Cauchy. Alors là, beaucoup de calculs, vraiment. C'est la définition de l'indice de Cauchy, la définition des suites de Sturm. Pour ceux qui veulent vraiment s'aventurer, donc en fait, je peux partager ça avec vous. Le théorème de Sturm. Démonstration avec du polynôme, je vois. Donc en fait, propriété asymptotique, et puis la variation de l'argument de P de P sur les axes des imaginaires. Et voilà, donc théorème de Raoult, finalement, voilà, donc encore, et voilà les critères de Raoult. Moi, je vais partir directement par là. Donc, et je vais présenter ce tableau et je vais vous montrer comment l'utiliser. D'accord? Voilà. Donc, vous n'êtes pas vraiment censé de démontrer ça. D'accord? Nulle part, donc en fait, on démontre ce théorème. Bien, je reviens. Alors, c'est quoi le critère de Raoult? Tout d'abord, il faut mettre dans la tête que ce théorème, ou bien ce critère, est basé sur la FTBF. Il ne faut pas faire la confusion, parce que ce que je vais présenter après, je vais parler de la FTBO. Donc, cette méthode est basée sur la FTBF. C'est quoi la FTBF? C'est la fonction transfert en boucle fermée et vous êtes habitué à déterminer ça. Donc, je détermine la FTBF. Et puis, donc, c'est une fraction rationnelle. Et là, donc, en fait, je peux l'écrire sous la forme n de p sur d de p. N de p, c'est un polynôme qui représente le numérateur et d de p, c'est un polynôme qui représente le dénominateur. Alors, la d de p, on essaie de l'écrire sous la forme d'un polynôme de la forme suivante. An Pn plus An moins 1 Pn moins 1 plus ainsi de suite à 0. Là, ne vous inquiétez pas parce que je vais présenter la méthode dans son cadre général. Mais puis, on va passer à faire des applications ensemble. Certainement, vous allez maîtriser mieux cette méthode. Au début, demeure cette méthode un peu floue, mais par la suite, vous allez voir que c'est une méthode très simple à l'utiliser. Alors, là, donc, en fait, il y a deux conditions. Une condition, je parle de la première condition, c'est une condition nécessaire, mais insuffisante. Qu'est-ce que cela veut dire? Nécessaire, mais insuffisante. C'est-à-dire, si cette condition est vérifiée, cela ne veut rien dire, c'est la stabilité, mais si cette condition n'est pas vérifiée, alors elle est suffisante pour dire qu'il est instable. Donc c'est une condition qu'il faut vérifier pour passer à la condition suivante. Sinon, si la condition est vraie, je ne peux rien dire, il faut vraiment passer à la condition suivante et vérifier la condition suivante. La première condition, il faut que tous les coefficients AI existent et de même signe. Nous, donc en fait, on va dire que ces coefficients sont tous positifs. Vous allez comprendre pourquoi. S'ils sont tous négatifs, je vais ramener le signe moins au numérateur et la vie est belle, on n'a pas de problème. Donc là, cela veut dire quoi? Tous les coefficients AI existent et de même signe. Si l'un des coefficients AI est nul, alors le système est instable. Par exemple, j'ai A3, mais A2 n'existe pas, alors mon système est instable. D'accord? Si tous les coefficients sont différents de 0, il suffit qu'ils ne soient pas tous de même signe pour conclure sur l'instabilité. Quand vous trouvez A1 ou bien A2, deux coefficients que
ne sont pas d'eux-mêmes signes, alors on peut conclure rapidement que le système est instable. Si tous les coefficients AI sont de même signe, alors l'examen de la première colonne du tableau de Raoult permet de conclure sur la stabilité. Et là, donc, en fait, je vais parler de ça. C'est quoi tableau de Raoult et c'est quoi cette première colonne? Mais tout d'abord, essayons de comprendre cette première condition. Alors, la première condition est très basique. Je calcule la FTBF, je vais prendre le dénominateur, je vais l'écrire sous la forme d'un polynôme de la forme ANPN plus AN moins 1 PN moins 1 plus A0. C'est très simple. Et je vérifie si ces coefficients en rouge, AN, AN moins 1, A0, existent, tous existent et sont tous de même signe. Là, on va préciser qu'on va supposer qu'ils sont tous positifs. D'accord? Ça, c'est très simple à faire. Et je vais faire avec vous des applications pour comprendre mieux ça. Alors, je passe maintenant. Donc, nota bene, voilà, tous les AI sont supposés positifs, quitte à changer le signe de N de P et D de P de la fonction transfert. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est tirée à partir du tableau de Raoult. Alors, vous prenez la FTBF. Donc, c'est N de P sur D de P. Nous avons travaillé déjà sur D de P. Et maintenant, je vais remplir le tableau de Raoult. Tout d'abord, vous prenez ces deux lignes. Donc, vous dressez un petit tableau. Vous dressez un petit tableau. Vous commencez, avant de prendre ces deux lignes, vous commencez par Pn, puis Pn moins 1. C'est la deuxième ligne. La troisième ligne, c'est Pn moins 2, puis Pn moins 3, ainsi de suite, P2, P1, P0. En quelque sorte, si le polynôme est d'ordre 1, vous aurez un tableau qui présente n plus 1 lignes. Puis, vous prenez les deux premières lignes. Vous essayez de prendre ces coefficients AN, AN moins 1, jusqu'au A0, et vous essayez de remplir les deux premières lignes. Alors, la première colonne, je commence par AN, puis je note AN moins 1 en dessous, je fais comme ça. Puis je reviens à la première ligne, deuxième colonne, je note AN moins 2, puis je passe en bas, juste en dessous, deuxième ligne, deuxième colonne, je note le quatrième coefficient, c'est AN moins 3, et je répète ça tant de fois, jusqu'au, donc en fait, j'arrive à A0. Donc, ça c'est donné du problème, donc en fait, ce sont les coefficients de D de P. Maintenant, comment déterminer les autres coefficients? Pour déterminer les autres coefficients, c'est très simple. Alors, au début, ça va vous paraître un peu flou, mais c'est simple. Alors, ça, parce que c'est flou, parce que je manipule un cas général. C'est logique. En fait, vous voyez que des équations, donc en fait, qui sont des équations très lourdes, mais en fait, après, avec des exemples, vous allez comprendre davantage. J'aime bien, dans les exemples, vous essayez de faire vous-même ces calculs avec moi. Alors, pour calculer ce coefficient AN moins 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre AN fois AN moins 3 moins AN moins 1 fois AN moins 2, ou bien moins AN moins 2 fois AN moins 3, fois AN moins 1, pardon, AN fois n moins 3, moins an moins 1 fois an moins 2, le tout sur an moins 1. Mais tout ça, c'est fois le signe moins. D'accord? C'est moins an moins 3, moins an moins 2, moins 1 fois an moins 2, le tout sur an moins 1. Pour passer au deuxième coefficient bn moins 2, je vais maintenir les coefficients de la première colonne. Et je vais passer au coefficient de la colonne suivante. Donc, je vais me baser sur ces quatre coefficients et je vais appliquer de la même manière. Toujours le signe moins. C'est an fois an moins 5, moins an moins 1 fois an moins 4, sur an moins 1. Ainsi de suite. Une fois que je passe à la ligne suivante, je change de couleur ici. Donc là, je vais utiliser ça. Alors, pour chercher AN moins 3,
À le mot 3, maintenant, je vais changer je vais utiliser les colonnes, les deux lignes, pardon, qui précèdent. Donc, les deux colonnes juste avant, donc en fait, juste avant les deux lignes, juste avant cette ligne. Donc, en fait, je vais me baser sur le coefficient cette fois-ci an-1 et an-2 pour faire les calculs. Et je fais de la même manière. Donc, je vais utiliser an-3 et bn-2. Alors, comment je vais calculer? Ça va être moins, toujours existe. Ça va être an-1 fois bn-2 moins an-2 fois an-3, le tout sur an-3. D'accord? Cette fois-ci, je divise par an-3. An-2, pardon. Puis, pour passer ici, je refais la même chose jusqu'au ce que, jusqu'au, donc, j'arrive en fait. À ces deux lignes, donc P2, P1, et ce qui reste, si je veux déterminer les coefficients de P0, alors c'était simple, j'applique toujours de la même manière. Ça va être toujours le signe moins, A2, B1, moins 1, B2 sur A1. Ça ressemble un tout petit peu à ce que vous faites pour calculer le déterminant, mais voilà, donc en fait, a priori, ce que vous trouvez ici, c'est un peu flou. Mais là, c'est un calcul très basique. Dans les exemples que vous allez traiter, vous n'allez pas dépasser un polynôme d'ordre 3, d'ordre 4 au pire des cas. Et c'est un calcul très simple. Alors, maintenant, comment interpréter? Une fois j'arrive à mettre en place, à calculer tous les coefficients du tableau de Raoult, alors comment je vais interpréter sur la stabilité du système? Alors, regardez, je regarde la première colonne. La première colonne, ou bien ce qu'on appelle la colonne des pivots, la première colonne, c'est là l'interprétation qui découle. C'est à partir de là que découle l'interprétation. Alors, il faut voir les coefficients de cette colonne. Tous les coefficients de la première colonne existent et positifs. Tous les coefficients de la première colonne existent et positifs. D'accord? Donc, existe et positif. Alors, pour mieux comprendre ça, il faut faire des applications. Les applications, alors je vais commencer par une première application basique, mathématique. Ça, c'est pas de la science de l'ingénieur. C'est pas donc de l'ingénierie. Mais c'est une application mathématique. Là, donc, admettons que ces deux fonctions sont deux fonctions transfert en boucle fermée de deux systèmes. Le premier système présente cette fonction transfert, H1. Le deuxième présente cette fonction transfert, H2. Alors, essayons d'étudier la stabilité. Alors, que peut-on dire du premier système? Instable. Donc, D2P. Oui, vas-y. Instable, monsieur. Instable, pourquoi? C'est les coefficients, ne pas de même signe. Très bien. Donc, vous remarquez ici que le P3, le coefficient de P3 est négatif alors que tous les autres sont positifs. Donc, système instable, tout court. La première condition n'est pas vérifiée. Donc, il n'y a pas plus simple que ça. Donc, vous cherchez D2P, D2P, alors instable car les coefficients de D2P ne sont pas de même signe. Maintenant, je vais traiter le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est h de p égale 1 sur 6 plus 11p plus 6p carré plus p3. Alors, je vais faire ça donc moi-même, donc pour le moment, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne les choses. Alors, je vais prendre d de p. d de p pour nous ici, c'est égal p3 plus 6p carré plus 11p plus 6. Alors là, la première condition, condition 1 de Raoult, est comment? C'est vérifié. Vérifié. Alors comment je vais faire? Je vais passer à la condition 2. Je vais tracer le tableau de Raoult. À le tableau de Raoult, comme je l'ai dit, donc puisque c'est polynôme d'ordre 3, il y aura quatre lignes. Je vais marquer les indices pour les lignes P3, P2, P1, P0. Et voilà les quatre lignes.
Voilà. Et je vais commencer à remplir ça. Alors, comment je vais remplir ça? C'est très simple. Je vais prendre tout d'abord le coefficient de P3. Je l'écris ici. Je passe en bas, j'écris le deuxième coefficient, C6, puis C11, puis C6. Et là, je complète par des zéros. Si je termine, je mets des zéros, comme s'il y a des zéros. Ah, pour calculer ce coefficient, comment je vais faire? Donc, je vais multiplier 1 fois 6, 1 fois 6, moins 6 fois 11, le tout sur 6, et le tout avec 6 moins. Donc, cela veut dire quoi? C'est 6 fois 11, c'est 66, moins 6, c'est 60, sur 6, c'est 10. Ça va me donner plus 10, hein? Donc, c'est 6 fois 11, 66, moins 6 fois 1, c'est 60, divisé par 6, c'est 10. Pour calculer ce coefficient, je vais utiliser ces deux zéros, et donc, nécessairement, ça va me donner un zéro. Alors, pour maintenant calculer ce coefficient, je vais baser sur les deux lignes qui précèdent cette ligne. Alors, je vais utiliser 6 fois 0, moins 10 fois 6, sur 10, le tout avec 6 moins. Donc, une fois que je trouve 0, c'est très simple, je vais ramener ce 6 ici. Parce que directement, ça va me donner 6. Voilà, donc en fait, j'ai terminé le calcul tellement cette méthode avec P3, vous voyez, au pire des cas, vous allez travailler avec P4. Je pense pas avec P5, mais ça va être un calcul très simple à faire. Donc, très rapidement, donc on peut interpréter tous les coefficients de la première colonne, tous les coefficients de la première colonne, existent et positifs. D'accord? Donc, système stable. Voilà. Ça, c'est l'approche Monsieur, de... Hein? Oui? tu m'as dit que le calcul. Naoudou, tout de suite. Alors. Bien. Alors, suivez-moi. Donc, je prends tout d'abord D2P. On est d'accord là-dessus? D2P, c'est égal à 6 plus 11P plus 6P carré plus P3. La première condition de la route est vérifiée, puisque tous les coefficients sont positifs et existent. Il existe et positif. Alors, je vais dresser le tableau de la route. Alors, que fais-je? Donc, je vais prendre ici la première ligne, ça correspond à P3, P2, puis P1, puis P0. Dans les deux premières lignes, je prends ici c'est 1, je prends le 1 ici, je vais le ramener ici, puis je prends 6, le coefficient du degré le plus juste, donc suivant, donc en fait c'est 6. Puis je prends 11, je vais le mettre ici. Puis je prends 6, je vais le mettre ici. Parce que j'ai dit je fais comme ça, puis je fais ça, puis je fais comme ça. D'accord? Alors, une fois que je termine, je termine avec des zéros. Maintenant, comment je vais calculer ce coefficient? Ce coefficient, c'est égal moins 1 fois 6, moins 11 fois 6 sur 6. Donc, c'est égal à 10. Puisqu'il y a le signe moins, je peux permettre. Il y a des gens qui font ça. Ils vont dire 6 fois 11 moins 1 fois 6 sur 6 pour éviter ce signe moins. Et ça marche. Donc, en fait, il va trouver 10.
Maintenant, pour calculer ce coefficient, je vais utiliser 1, 6, 0 et 0 pour faire le calcul. Ça va être 6 fois 0 moins 1 fois 0 sur 6. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 0. Mais une fois que je trouve 0, nécessairement, je vais trouver ici 6. Pourquoi? Parce que c'est très simple. 6 fois 0, ça donne 0. Et 10 fois 6, ça donne 10. Ça va donner 60. Divisé par 10, ça va donner 6. Tout calcul fait en respectant les signes, je trouve 6. Donc, directement, une fois que je trouve 0, je vais ramener 6 ici. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon, merci. Très bien. Donc, ce n'est pas encore fini. On va faire d'autres applications. Alors maintenant, une fois cette condition est vérifiée, on peut conclure que le système est stable. Maintenant, ça, ce sont des applications d'ingénierie, de STI. Donc, en fait, je vous donne un système modélisé par cette fonction de transfert, par ce schéma bloc, pardon. L'entrée, c'est x de t. Vous avez un correcteur modélisé par la fonction de transfert k sur tau p. Et vous avez 1 sur 1 plus p carré. Et la question, vous allez certainement trouver ça dans votre concours, étudier la stabilité en fonction de k et tau. Alors là, comment je vais faire? Qui peut me répondre? Comment je vais étudier la stabilité? A priori, ici, je vais utiliser le critère de Raoult. K sur TP fois 1 sur P plus P carré, où les coefficients de dénominateur positif. Donc, condition Loula. Donc, là, il y a une erreur qu'il faut se méfier à ça. Il faut tout d'abord chercher quoi? FTBO et FTBF? Il faut chercher la FTBF. Il faut chercher la FTBF. Le critère de Raoult est applicable sur la fonction transfert en boucle fermée. Et puis, je prends le dénominateur de la FTBF. On est d'accord là-dessus? Donc, oui. C'est pas P de P fois 1 plus P carré. Non, pas du tout. C'est plutôt, il faut chercher la FTBF. La FTBF, ça va te donner ça. K sur K plus tau P carré plus tau P3. Est-ce que vous voulez que je lui montre ça? Comment je calcule la FTBF ici? C'est le produit ici de ces deux divisé par 1 plus le produit de ces deux, puisqu'il s'agit d'un retour unitaire. C'est bon? Alors, si c'est bon, donc en fait, c'est un calcul basique. Ça va être K sur tau P. Facteur de 1 plus P carré, de tout sur 1 plus K sur tau P, facteur de 1 plus P carré. Et là, donc, en fait, si je multiplie en bas par tout ça, je trouve K sur K plus tau P carré, plus tau P3. Et donc, D de P, c'est ça. Donc, D de P, c'est égal K plus tau P carré, plus tau P3. Maintenant, je vais travailler sur ça. Donc, première condition de Raoult, qu'est-ce que ça donne? Il faut que tous les coefficients existent et bon, et il faut qu'ils soient tous positifs. Donc, K positif et tau positif, ça c'est la première condition. Donc, qu'est-ce qu'elle donne? Alors, je passe au tableau de Raoult pour tirer la deuxième condition. Alors, le tableau de Raoult, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais prendre ce T, puis je prends le deuxième T, je l'écris ici. Là, j'ai le troisième T, c'est ici. Et finalement, K. Ce qui reste, ce sont des zéros. Je vais calculer ça. Alpha, comment je vais calculer alpha? Alpha, ça va être T fois T moins K fois T sur T. T au carré moins KT sur T.
ça va me donner T moins K. Vous voyez? Et donc, là, ce qui reste, donc, une fois que je calcule alpha, là, je trouve 0 parce qu'il y a 2 0 ici et T, T, donc ça va donner nécessairement 0. Donc, nécessairement, je prends K ici. Parce que ce calcul va me donner T fois 0 moins alpha fois K sur alpha. Ça va me donner 0. Et ça, c'est bien. Donc, voilà. Donc, en fait, la deuxième condition, ça va être T moins K positif. Alors, la condition de Raoult, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que T, il faut tous les coefficients de la première colonne, que vous voyez ici, existent, et positifs. Et donc, ces coefficients sont T, alpha et K. K, la première condition, c'est positif, il faut qu'elle soit positive. T, il faut qu'elle soit positive. Ce qui reste, c'est alpha. Donc, je rajoute, la deuxième condition me ramène cette inéquation. T moins K doit être positif. Et cela veut dire quoi? Que K doit être inférieur à tout et supérieur à 0. Voilà la condition générale de la stabilité. D'accord? Voilà la condition générale de la stabilité. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Ça va, monsieur. Ça va. Alors, je vais montrer un peu une simulation avec SIDA. Pour ce même exemple. Alors, j'attends syllabe. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai changé de micro. Est-ce que vous écoutez? Oui, monsieur. C'est bon. OK. Je termine. Donc, en fait, je vais faire une simulation de ce que je viens de présenter devant vous. Et on va jouer sur taux et cas. Et on va voir vraiment que cette condition est vraie. Alors, notez bien qu'il faut choisir K inférieur à taux. Je vais prendre taux égal 1. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et je vais par la suite prendre K égal 0,5. Et chaque fois, je vais augmenter K jusqu'à atteindre K égal à taux pour voir que c'est l'instabilité. D'accord? Vous êtes d'accord? Apparemment, j'ai ramené le syllabe deux fois. Donc, je vais garder que ça. Alors, suivez-moi. Donc, ce que je vais faire, donc je vais représenter ce schéma. Ce schéma, j'ai besoin de quoi? Alors, j'ai besoin de ce module CPGE. J'ai besoin de l'entrée. Step. J'ai la fonction d'un correcteur, opérateur linéaire, j'ai besoin de ça. Attends un petit peu.
J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de scope. J'ai besoin de timing. J'ai ça, 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 ça. Ça marche. Et j'ai besoin de faire aussi le bot. Et je vais interpréter ça après. Je vais comprendre ça. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la chose suivante. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est scope. Ça, c'est juste pour chercher la FTBO. Ça, c'est la première fonction. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la sortie. Et ça, c'est pour chercher la FTBO. Donc, je fais comme ça. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Ça, c'est le retour, pardon. Boucle de retour. Ça marche. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est. Je rajoute le signe moins. OK. Voilà. Ça, c'est E2P pour déterminer la fonction transfert en boucle ouverte. Ça, c'est S2P. C'est bien. Et ça, que, donc je vais utiliser simulation contexte. Contexte, je vais prendre K égale, qu'est-ce que j'ai dit moi? Je vais prendre les conditions. Sont à K sur top, il faut avoir K inférieur à taux. Je vais prendre K égale à 1, 0,5. Et je vais prendre taux égale à 1. D'accord? Normalement, cette condition va me donner un système. Donc ici, ça va être K. Je ne sais pas ce que j'ai utilisé en majuscule ou non. Si ce n'est pas le cas, donc il ne va pas l'accepter. Tout étoile S. Ça va me mentionner ça. Ah, K, c'est minuscule. Donc je vais noter ici en minuscule. C'est minuscule, oui, c'est ça. Et là, qu'est-ce que j'ai comme fonction? Donc 1 sur 1 plus P plus P carré. C'est très simple de noter ça, donc très rapidement. Donc 1 sur P plus 1 sur carré. Ça marche. Et voilà, formidable. Donc maintenant je suis prêt à simuler ça. Je ne sais pas vraiment est-ce que le temps c'est énorme ou non. Je vais réduire quand même si beaucoup sont une seconde. Je vais prendre 10 secondes et je vais voir ce que ça va donner. Donc voilà, voilà. Ah là je me suis trompé. J'aimerais bien revenir à. Ça va donner. Ah, donc, je vais augmenter un peu le temps. Je vais augmenter un peu le temps. Donc, je vais prendre, si vous voulez, 50. Je vais, pour celle-là, je vais commencer à partir de 0. Ah, voilà. Ça marche. Maintenant, regardez. Ah, voilà. Donc, peu importe le diagramme de Bode, on va parler de ça après. Alors, là, qu'est-ce que vous remarquez? Notre système oscille au voisinage de 1, puis il se stabilise. Est-ce que notre système est stable? Oui, notre système est stable. Donc, regardez, si j'augmente K, qu'est-ce que ça va donner? Si j'augmente K, je vais passer ici et je vais modifier le contexte et je vais prendre K égale 0,8. D'accord, je me rapproche de 1. J'essaie de rompre la condition. Et je vais encore de nouveau voir la réponse. Alors, regardez, le nombre d'oscillations ici augmente. Parce que je me rapproche de 1.
je me rapproche de la limite. Tout à l'heure, j'ai pris k égale 0,5. Regardez bien k égale 0,5, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une réponse beaucoup plus meilleure. Mais celle-là, c'est pour k égale 0,8. Regardez maintenant, je vais m'amuser, je vais changer k égale à 1. K égale à 1, est-ce que le système est stable ici? Non, le système est instable. Il est à la limite de la stabilité. J'ai pris la limite de la condition. Regardez ce que ça donne. Ah, voilà. Regardez. Notre système, il est à la limite de la stabilité. Vous voyez? Maintenant, si j'augmente encore davantage K, même si je prends K égale 1,1, donc ça y est, le système devient instable. Vous voyez, notre système est bien instable. Cette fois-ci, l'oscillation n'est pas entretenue du tout, mais elle diverge. C'est bon? Vous voyez, seulement c'est indispensable de déterminer cette condition et vraiment cette condition est importante. D'accord? Bien. Donc cette condition est voilà. Donc là, est-ce que je peux... j'ai compris. Alors voilà, donc en fait, je passe à d'autres exemples. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je n'arrive pas à passer à la page suivante. Il y a un petit problème de technique, donc attendez, parce que vraiment j'utilise plein de périphéries. Donc, et du coup, je n'arrive pas à. C'est bon, est-ce que vous voulez poser une question? Je n'arrive pas à Je n'arrive pas vraiment à... Qu'est-ce qui se passe? Bon, désolé pour ce panne. Donc, vous voyez quelque chose?
J'ai perdu le truc. Bon, je continue quand même. Attendez un tout petit peu, je reprends le paramètre. C'est bon, vous écoutez? C'est bon? Hey, monsieur. Oui, monsieur. Bon, je suis désolé parce que j'ai perdu le fichier. J'essaie de récupérer ça. Ah, nous sommes arrivés à... Le nom du pont sur ce là. Voilà. Donc, voilà, je fais ça. Je vais ça, je vous ai expliqué qu'il y a donc, voilà. Je vais montrer comment ça se passe avec le diagramme de... Maintenant, essayez vous-même de faire ces applications. Je vous donne des cas particuliers là. CHBO, la fonction transfert en boucle ouverte, c'est une fonction transfert d'un système de premier ordre, comme vous voyez ici. D'accord? Et si vraiment HBO est une fonction transfert d'un système second ordre. Alors là, vous allez voir vraiment que la première condition de la route est suffisante. Si vous faites le calcul, vous trouvez que la fonction transfert en boucle ouverte, hein, c'est un système de premier ou bien de second ordre. Alors, la première condition est suffisante. Alors, regardez. Pour la première, je vais chercher la FTPF. Vous allez me dire, mais non, monsieur, vous êtes en train... Mais oui, donc je vais appliquer les critères de la route avec la FTPF. Donc, si je calcule la première fonction de transfert en boucle fermée en se basant sur H1BO ou bien HBO1, donc ça va me donner K sur 1 plus top, le tout sur 1 plus K sur 1 plus top, tout calculé, ça va me donner K sur K plus 1 plus top. Et du coup, la première condition est largement suffisante et la condition de stabilité, c'est K doit être positif, K plus 1 plutôt doit être positif et tout positif. Pourquoi, monsieur? Parce que le tableau de la route ne va pas nous ramener beaucoup de choses. Ça va toujours garder les mêmes conditions. Si vous représentez le tableau de la route ici, alors, vous allez... Non. Si vous représentez... Idem. Si vous représentez le tableau de la route pour cette fonction transfert, qu'est-ce que vous aurez? Vous allez me dire, mais c'est P1, P0. Et là, donc, en fait, c'est les deux premières lignes. Donc, on ne va pas passer à d'autres. Donc, ça va être tout. Ici, c'est K plus 1. Et là, c'est 0, 0. Donc, c'est tout. Donc, la première condition est suffisante. Vous comprenez? Donc, ça arrive parfois donc qu'on se trouve avec donc ce cas. Donc, vous n'êtes pas censé de passer à la deuxième condition de la route. Donc, la première condition est largement donc suffisante. Maintenant, pour le deuxième exemple,
Vous avez H2DF, c'est K sur 1 plus 2 plus AP plus P carré. Vous pouvez vérifier ça. Donc, ça va être K sur 2 plus AP plus P carré, le tout sur 1 plus K sur 2 plus AP plus P carré. Et donc, D2P, c'est K plus 2 plus AP plus P carré. Et idem, toujours la première condition de la route est suffisante. Et donc, K supérieur à moins 2 et A positif. On est d'accord là-dessus? Donc, la première condition est suffisante si D2P est d'ordre inférieur ou égal à 2. Retenez ça. Ce n'est pas la peine de dresser le tableau. Je vous donne une autre application. Ah, maintenant, je vais passer au critère de revers. Maintenant, c'est OK pour le critère de Raoul. Maintenant, c'est le critère de revers. Alors, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Revers? Alors, monsieur Revers dit, si je prends, en fait, la FTBF, on sait l'écrire, en fait, sous la forme FTBO sur 1 plus FTBO. Et donc, pour que FTBF soit stable, il faut que FTBO soit différent de moins 1. Et d'où, donc, ce critère. Car un système est stable en boucle fermée. Et bien sûr, nous cherchons la stabilité en boucle fermée, nécessairement. Si le lieu de Nyquist de la FTBO laisse les points critiques d'affixe moins 1 à gauche lorsque la pulsation augmente de 0 à l'infini. C'est tout. C'est ça le critère de revers. C'est un critère graphique qui se base sur le diagramme de Nyquist. Mais toujours, on peut projeter ça sur le diagramme de Bode et c'est ce qu'on va faire. Donc, il dit, si le système est stable, en boucle fermée. Pour conclure sur la stabilité en boucle fermée, on va étudier la FTBO. Et ben, c'est logique parce que la FTBO, ici, doit être différente de moins 1 pour que FTBF soit définie. Et donc, en fait, une condition de stabilité, quoi, de définition. Alors, si le système est stable en boucle fermée, si le lieu de Nyquist de la FTBO laisse le point critique d'affixe moins 1 à gauche, lorsque la pulsation augmente de 0 à l'infini. On va interpréter ça ici. Alors, je vous donne deux exemples. Alors ça, je vais représenter le diagramme de Nyquist. Bien sûr, on représente l'imaginaire de la FTBO, donc on fait l'étude de la FTBO, notez bien ça. Avec le critère de revers, on fait l'étude de la FTBO. Le moins 1, il est là. D'accord? Il est là. Et regardez cet exemple. Là, pour cet exemple, là, c'est pour oméga tend vers 0. Et ici, oméga tend vers l'infini. Et ça, c'est oméga croissant. Vous voyez, ça, c'est oméga croissant. Alors, que peut-on dire de ce système? Ce système, lorsqu'oméga augmente de 0 à l'infini et je vais passer de 0 à l'infini, je regarde à gauche, je trouve moins 1 est à gauche. Donc, mon système est stable. Ça, je conclue directement, mon système est stable. Maintenant, si je vous donne un autre exemple, celui-là, c'est bien stable. D'accord? Alors, maintenant, que peut-on dire de ce système bleu? Le système bleu, il passe juste à côté ou bien au-dessus du point moins 1. Là, c'est la limite de la stabilité. Notre système, il est à la limite de la stabilité. Donc, sur le plan pratique, on ne se contente pas d'avoir un système théoriquement stable. Donc, si j'applique les deux critères et je dis, voilà, donc pour le premier, il est stable, mais théoriquement, il est stable. Pour le deuxième, on est d'accord, c'est instable. Mais pour le bleu, il est à la limite de la stabilité. Qu'est-ce qu'on dit? Il est stable ou bien instable? Et est-ce qu'il est vraiment... Le diagramme de Nyquist que vous voyez ici représente réellement le comportement de notre système. Vous savez, pour chercher la FTBO, il y a des approximations, il y a des hypothèses derrière, et toujours, donc en fait, on donne un modèle qui se rapproche de la réalité, mais qui ne reproduit pas exactement la réalité. Donc, là, je vais passer à ce qu'on appelle la stabilité en pratique.
La condition de stabilité en pratique, et là je vais parler d'image de sécurité. Comme je le dis souvent, il ne faut pas déposer une bouteille juste au bord de la table, là ça risque de tomber. Donc il faut augmenter les marges distancielles, les marges de distance pour avoir un système stable. Alors, un système à la limite de la stabilité est mal amorti. Ça c'est clair. Son bon fonctionnement n'est pas assuré car une faible modification de ses caractéristiques peut le rendre instable. Alors, les lieux de fonctions de transfert peuvent être obtenus par modélisation ou expérimentalement, ce que j'ai travaillé dessus depuis le début de ce module. Quelle que soit la méthode utilisée, alors ces lieux ne sont pas connus de manière exacte. Ces raisons expliquent qu'en pratique, on ne se contente pas de réaliser un système théoriquement stable. On assure la stabilité d'un système, donc en prenant des marges de sécurité. Ces marges se traduisent par une distance à respecter entre le lieu de la fonction transfert en boucle ouverte et le point critique d'affixement. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Prenons ça. Alors là, c'est le diagramme de Nyquist qui représente la FTBO. Donc, en fait, le moindre, il est là. Alors, vous voyez le mandat, et je regarde ce point. S'il vous plaît, essayez de me suivre dans ce niveau, c'est important. Ça, c'est un point très dangereux. Ce point que j'ai colorié là, c'est le premier point dangereux. Ce lieu de Nyquist, ou bien du diagramme de Nyquist. Pourquoi ce point est dangereux? Parce que si ce point vient se positionner sur moins 1, le système devient instable. D'accord? Donc il faut chercher ce point et l'éloigner le maximum de moins 1. Mais ce point, c'est quoi? Ce point, c'est le point C, le point de phase égale moins 180. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit il faut que la FTBO soit module différent de 1, de moins 1, et la phase différent, le module différent de 1 et la phase différente de moins 180. Donc là, c'est le premier point qui est dangereux. Il faut repérer ce point. Et il faut l'éloigner le maximum de moins 1. Donc, ça, ce qu'on appelle la marge de gain. C'est une distance. Attention, cette marge n'est pas en décibels, parce que je travaille dans un plan complexe. Il faut traduire ça en décibels, c'est 20 logs de cette distance. On est d'accord là-dessus? Je répète. Là, il faut chercher le premier point dangereux qui est A pour phase, moins 180, ça c'est important, pour pouvoir chercher la marge de gain. En pratique, on se contente d'une marge de gain de 10 décibels. Alors, je vais encore expliquer ça. Je vais effacer tout ce que j'ai écrit ici et je vais présenter les slides. De nouveau. Alors, c'est bon. Donc, excusez-moi, je vais effacer ça quand même. Donc, c'est fini. Alors, regardez. Ça, c'est le point de phase moins 180, c'est pas 180. Je vais dire moins 180. C'est le premier point dangereux. Et là, donc, en fait, c'est la marge du gain. Il faut pousser ce point le maximum à droite. Donc, maintenant, je vais projeter ça sur le diagramme de Bott. Comment je vais chercher la marge du gain sur le diagramme de Bott? Je vais chercher le point de phase moins 180. Je vais commencer par là. Ça, c'est la première étape à faire. Je vais chercher moins 180. Je projette ça ici et je trouve ce point. Donc, je vais faire ce parcours. Je détermine
moins 180, je le projette ici, je le projette ici, puis je le projette ici, je trouve la valeur ici, c'est 20 log de la FTPU de J oméga 1. La marge du gain, alors, c'est quoi? C'est la distance entre le gain du point critique moins 1, c'est-à-dire 20 log du module de 1, c'est-à-dire l'axe des abscisses, moins 20 log de du module de la FTBO J oméga 1. Oméga 1, c'est la pulsation pour laquelle le gain, la phase égale moins 180. Alors, la marge du gain, ça va être cette distance. Alors, c'est très simple. Je prends moins 180, je la projette sur la courbe de phase, je trouve oméga 1, et du coup, je trouve l'intersection, ça me donne cette valeur. Et voilà, donc, la marge du gain, c'est cette distance. C'est en décibels. Ça, c'est la marge du gain en décibels. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut tirer une équation à partir de là? Oui. Parce que la marge du gain ici, c'est égal à quoi? Égal à 0 moins cette valeur. Donc, pour l'argument de H de J oméga 1 égale moins 180. Alors, regardez. La marge du gain, c'est égal moins 20 log du module de la FTBO de J oméga 1 avec l'argument de la FTBO de J oméga 1 est égal à moins 180. Alors, je peux utiliser tout court la formule théorique. Alors, d'habitude, on ne vous donne pas ça. Mais là, donc, ça sert pour tirer ça et pour tirer ces formules. Donc, vous mettez l'accent sur le diagramme de Bode et sur ces formules. Maintenant, il n'y a pas uniquement ce point qui est dangereux. Il y a un autre point. En pratique, comme je l'ai dit, on se contente d'une marge de gain de 10 décibels. Il y a ce qu'on appelle la marge de phase. C'est une distance angulaire. Il n'y a pas uniquement ce point qui est dangereux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un autre point qui est dangereux. Je vais vous expliquer. Je vais chercher le point qui a pour module 1. Ça, c'est le point dangereux. Deuxième point, dangereux. Pourquoi? Ça, c'est pour module, le module égal à 1. Donc, la distance, cette distance égale à 1. Ah, pourquoi? Il faut éloigner ce point d'un angle, ce qu'on appelle marge de phase, parce que si cet angle égale à 0, ce point vient se positionner ici. Et donc, ça, c'est un point dangereux. Donc, il y a deux marges de sécurité. C'est la marge du gain. Il faut pousser le point de phase moins 180 le maximum à droite et il faut éloigner avec une distance angulaire le point de module 1. Et ça, cette deuxième marge, c'est la marge de phase. À regarder. Donc, je vais effacer tout ça tout d'abord. Donc, je termine avec vous à ce niveau et on termine la séance prochaine. Voilà. Alors, ça, c'est le point de module 1. Donc, la marge de phase, c'est cet angle. Si je projette ça sur le diagramme de Bode, je vais chercher le point de module 1, c'est-à-dire le point où le gain est nul. C'est ce point. Je projette ici. Je trouve que c'est l'argument de la FTBO. Puis, je prends moins 180. La marge de phase, c'est cette distance. Alors, théoriquement, comment je termine ça? La marge de phase est égale à l'argument de la FTBO de J oméga 2 moins 180, ça devient plus, avec le module de la FTBO de J oméga 2 égale à 1, parce que je parle d'un gain égal à 0. Donc, ça veut dire le module égal à 1. Donc, vous êtes censé de maîtriser ça aussi et ça. Donc, la séance prochaine, on va faire des applications sur ça pour maîtriser davantage donc la stabilité graphique et comment déterminer les marges de sécurité. Voilà, je vais arrêter ici. D'accord. Merci donc pour votre attention. Et on termine la séance prochaine, Inch'Allah. Ok, bon courage. Merci, monsieur.